salut les gars, tout le monde, c'est Matrox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live farming simulator 22. On va aller sur la ferme du Sommercet. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est la ferme du Sommercet, c'est une ferme. C'est un serveur assez grand, assez petit. En même temps, il y a des champs grands et des champs petits. C'est une ferme plus pour commencer à l'ancienne et finir à du Romatos. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà fait 3 épisodes sur la ferme du Sommercet. C'est un serveur que je kiffe sur FSN2, je joue que sur ce serveur là pratiquement et puis sur un autre serveur à côté mais ça je l'avais pas sur YouTube. Je le fais hors bah, comme ça perso quoi. Donc les gars on est parti pour un bon petit moment de live. Donc n'hésitez pas à faire partager le live. Et on va regardez si le live fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Voilà. On va faire ça, ça et ça. Bon, on va aller voir les modes. On va voir si c'est de la nouveauté. Déjà on va mettre à jour tout ce qu'il nous faut. Ah en fait il va falloir tout mettre à jour quoi. Ça on s'en fout, on va le désinstaller. Ça il nous faut. Faut vraiment vérifier que les modes que je joue, je peux mettre à jour. Voilà si je m'en fous. Ouais c'est mon air dedans. Je crois que les modes à mettre à jour et les mettre à haut donc en vrai autant faire tout d'un coup. De toute façon on va pas perdre 5 minutes à faire ça, ça va aller vite. Tant que ça fait ça on va aller voir les nouveaux modes. C'est quoi ça? Ah il faut rester là pour que ça s'installe? Non. C'est de la merde. Les gars, la Huskywaka, la Huskvarna Enduro Pack, vraiment installée là, elle est incroyable. Même si c'est vraiment pour faire des conneries et tout, elle est incroyable. C'est long. Oh ça va le masser si c'est vite. Allez. Les gars, je pense que le live va vraiment être intéressant. On va bien travailler sur le serveur. On va vraiment avancer pour que je puisse refaire des vidéos. Pour enregistrer, parce qu'en fait sur Farming Grenade 2, j'enregistre mes vidéos avant. Et après je les publie. Alors pourquoi le massé il bug et il va se relancer? Alors là... Ça je sais pas. Donc ouais, là, les gars... En vrai le live ça va plus être pour discuter avec les abos et tout parce qu'en vrai ça va être un live plutôt ricabrac, je vais vraiment faire tout ce qui... Bah, what the fuck? Ils sont buggés les modes ou quoi? Je vais surtout faire ce que je fais hors cam normalement avant, enfin hors vidéo.
Là je veux juste le faire en live, quoi. C'est juste pour dire de faire un live. J'ai plus de batterie, nickel. Bah, on se met plus non plus. Ah merde. Attends, si je décale comme ça. Ouais, c'est bon, c'est pas le taf. Après, ces modes-là, je m'en fous, je joue pas avec, au pire, on s'en fout. On s'en fout, c'est bon, on s'en fout pas. Alors, on va regarder. What the fuck, c'est quoi ça? C'est affreux. Qu'est-ce qu'on prend? Oh, ciel, il y en a juste pour faire. On va l'installer juste comme ça, même si je risque pas de l'acheter. On va vraiment regarder si c'est pas adresse. En vrai, c'est là, on va le mettre. Il pourra toujours servir, peut-être. Je sais pas, on verra. Il y a pas assez de mode chez Jumper. En petit tracteur. En tracteur moyen, qu'avons-nous? Ouais, 6M chez JT, 6, ouais. Qu'est-ce qu'un 7000 ça fait là aussi, frère? C'est... Un 6J. Je me vois. Ah, il y a quand même pas mal de monde intéressant, mais le problème c'est que chez Jeune Der, il y en a pas assez. Bon, les gars, on va lancer le serveur. C'est ce jeu. Tac. Et voilà. On est parti pour la ferme du sommercé. Ah bah les gars, c'est vraiment un serveur, je m'amuse vraiment quand je joue à Farming 22. C'est vraiment un serveur, j'aime jouer en fait. À la fin c'est FS19, après FS19 je compte même plus les heures de jeu que j'ai dessus, tellement que j'en ai. Mais bon. En vrai FS19, j'ai jamais accroché les serveurs mode. Et en vrai je pense que c'est ça qui m'a... À la fin, j'en avais marre de FS19. Celui-là, FS22, ok, c'est un serveur mode, mais le problème, c'est que je joue qu'à ça, quoi. C'est genre mon serveur principal, pratiquement. Après, j'ai un autre serveur. Mais bon, je joue pas. Enfin, si, je joue quand même pas mal dessus, mais je veux dire. Je joue surtout, c'est pour faire mes vidéos à farming. Comme ça, j'ai un peu le contenu en avance. Parce que là, j'ai l'épisode 4 et l'épisode 5 hein, déjà de tourner, je crois. Donc, j'ai juste à faire le montage et c'est publié, quoi. Pour ça, là, on va juste avancer bien le serveur en live. Et puis après, ce soir ou demain, je ferai la vidéo et je la publierai dans 2-3 semaines. Sur farming, les gars, je pense là, vu qu'on est en vacances, je vais faire peut-être. Je vais essayer un live tous les deux jours. Voire tous les jours si je sais pas quoi faire. Et vous avez de nouveaux. Et je vais essayer de faire à peu près. Une ou deux vidéos par semaine, quoi. Gros max 2, c'est après avec les lives. Et puis après, il faut pas oublier le montage. Ça me... Allez, c'est parti, les gars. Petit serveur, la ferme du sommercé. Insane sur farming. Alors, donc, ouais, c'est ça la moto que les gars, je vous parlais. C'est une petite pépite. Regardez, on va juste aller faire un tour dans la ferme comme ça. Je vais vous faire voir.
petite pépite. Elle a vraiment de la gueule en plus la moto. Et en même temps je vous fais un petit tour du serveur comme ça. Je vais couper en plein milieu les gars parce que le serveur il est quand même... Après les gars vraiment pour ceux qui... Pour ceux que ça intéresse, vous regardez... Oh putain de merde. Vous avez juste à aller sur ma chaîne et vous regardez les épisodes d'avant quoi. Il y a le 1. Le 1 je présente vraiment que le serveur, hein. Je joue pas rien. Après le 1, si tu regardes pas le 1, tu comprends pas trop le reste de l'épisode. Après c'est du farming donc tu t'en fous quoi. Mais je veux dire, le 1 j'explique vraiment le but du serveur. Et tout ce qu'on va faire dessus. Et après l'épisode 2, c'est je déchomme, je sème tout ça. L'épisode 3, je moissonne et je fais des ballons. L'épisode 4 les gars ça va être je finis de faire les ballots, j'emmène tous les ballots à la ferme et tout ça. Et l'épisode 5 bah, ça va être les animaux je pense. Et puis on va commencer le foin aussi. Ça, j'adore le bruit de la moto. Après le truc sur farming c'est qu'il est vrai mettre qu'on voit nos bras et tout qui tiennent la moto par exemple. Voilà. Bon. Alors les gars, ce qu'on va devoir faire c'est on va devoir déchemer le champ 12. Parce que ici ce sera l'étape des animaux. Donc en vrai les gars, je n'ai vraiment aucune idée pour l'instant de quel animal on va faire. Mais je pense je vais couper le champ en deux pour faire deux espèces d'animaux. Hein. Pour l'instant j'ai pas encore trop d'idées. Bon je pense on verra peut-être pour des vaches, peut-être des poules, je sais pas du tout. Le New Land, on va aller le ranger. La citerne, elle est vide donc on va la délouer. Ouais donc les gars je vais vous faire le serveur comme ça. Voilà, à quoi il ressemble le serveur. Donc il est assez grand, il est assez petit hein, comme je vous ai dit. Il y a vraiment que ces trois là et puis après un peu là autour qui sont grands. Mais sinon on passe le champ 15, je pense hein, je risque de me le prendre même s'il est très loin de la ferme. Il est long donc je pense pour faire du foin ou un truc comme ça c'est pas mal. Alors objet loué. Alors on va regarder les remises, rien d'intéressant, c'est du gros matos. Où est-ce qu'on voit déjà les objets loués? Ah voilà. Voilà. Alors, on va ranger le tiny horn. On va le mettre là pour l'instant, de toute façon je crois que j'en ai pas besoin. Ouais. La petite battle class les gars, je vous assure c'est une pépite. Donc là on a les ballots. Donc les gars, vous comprendrez quand l'épisode 4 il sortira pourquoi les ballots ils sont même pas bien rangés, rien, j'ai pété un câble. Ah ouais j'avais qu'à des ballots à ramasser, bah on va ramasser les ballots là tout de suite les gars. Comme ça après je pourrais commencer à déchaumer. Bah, je pense qu'on va même mettre l'autre New Land à déchaumer. Putain, ça m'énerve que ça bug comme ça. Attends, l'autre New Land, on va le mettre à déchaumer.
en a vraiment sous le capot celui-là, par contre. Pour un vieux tracteur, il a vraiment de la gueule. Après, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est lancer. Ah bah en fait, tout avait... je l'avais tout déchaumé en off déjà en fait. Ah ouais, donc ce qu'il va falloir faire, c'est ramasser les cailloux dans les champs. Parce que ça, c'est... ça casse les couilles les cailloux. Ça, je le vois, je le ferai en vidéo. Ça me fera du contenu. Bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à déchaumer le champ 12. Il faudrait que j'achète le champ 28 vu qu'il est à côté, on pourra semer de quoi faire pour les animaux. On va mettre à faire le champ 12. Ah ouais. Ah ça c'est de la merde, les champs comme ça pour déchaumer. Parce que les bots vu qu'ils sont cons, bah ils savent pas le faire. On va le mettre à faire et puis on récupérera ce qu'il faudra faire après le bot. On va ramasser les ballots. Ah j'avais complètement oublié qu'il me restait qu'un des ballots à ramasser. Par contre, eh, ça me casse les couilles, ça. Mais regarde, pourquoi ça bug? Yo Snow YT B, c'est votre nom. Bah Snow YTV, je suis déjà abonné frérot. Ah bon. Mais Snow, je suis déjà abonné frérot.
Alors, t'es venu déjà hier sur mon live, je me suis déjà abonné hier. C'est un autre compte, je me suis abonné. Bah, attends, on va vérifier ça. Non, non, t'es un gros menteur, je suis toujours à 272. Et depuis hier, je suis à 272. Enfin, j'étais à 275, mais il y en a qui sont désabonnés. Regarde, je remets ma chaîne à jour tous les temps, regarde, regarde. Ah ouais, d'accord. Je suis toujours à 272, donc bon. T'es un peu un menteur, quoi.
Yo Snapix, yo 1-1, je me suis abo. Voilà, ok, je vais m'abo. Alors c'est comment Snapix accéder à la chaîne? Tu fais des highlights Fortnite, non? Ouais, je me suis abonné, hein, c'est Panix. Je vais vraiment regarder une de tes vidéos. Donc les gars, n'hésitez pas à liker le live. Ouais, il y en a encore là-bas, putain, il y en a partout encore. Là ça devient chaud de mettre le ballon. Attends, on va faire ça. On va essayer de prendre trois en même temps, celui-là, je sais pas. Là ça va vraiment être chaud de les mettre en fait les ballons. Là ça a des dominos le machin. Oh attends, là je peux peut-être encore en mettre un là comme ça. Non. Comment je vais faire alors? On va forcer, écoute. Là ça va tenir. Ouais. Maintenant est-ce que je vais réussir à mettre les deux derniers?
Là, je peux qu'en mettre un, c'est sûr. Voilà. Et le dernier, on va le mettre là-haut. Alors. Voilà, c'est chaud. Putain, c'était sûr que ça allait faire ça. Non. Ouais, on va revenir, je suis en train de tout faire tomber là, ça sert à rien, je suis de la merde. Est-ce que là c'est bon, il est en train de déchaumer, nickel. Là on va faire un petit aller en caillou après je pense, comme ça on pourra directement aller dans le champ. C'est après s'il y a les animaux. Attends, le bot il est bloqué par quelque chose, on va aller voir ce qu'il a. Putain! Eh, ça va me casser les couilles, ça! Ouais, les gars, on pourra faire s'il y a du forestier aussi, vu qu'il y a beaucoup de bois en face. Ça va pouvoir être fun aussi, ça va faire. Je suis reçu. Bah ouais, il y a encore un ballot. En fait, il respawn à l'infini les ballots. Mais gros, par contre. Je jure, ça j'en ai vraiment ras le cul de faire des putains de ballons de merde là. Gros, ça tient même pas, ça me casse les couilles.
En vrai, le casino, l'international, j'ai littéralement à le revendre. Puis on va s'en acheter un plus gros, je pense. Il est vraiment éclaté ce tracteur. À part pour vraiment débuter, mais dans la cabine on n'entend même pas le bruit du moteur, rien, je le trouve vraiment pas terrible. On va essayer de s'en acheter un plus gros. Comme ça on pourra déjà avoir un tracteur qui pourra tirer un peu plus le déchaumeur ou le semoir, parce que des fois quand t'es bloqué à 4 parce que le tracteur il a pas assez de puissance pour tirer le semoir. Ouais mais non. Ah non. Alors. Toi tu dégages. Et on va s'en acheter un plus gros. Dans le petit tracteur. Est-ce qu'il y aurait vraiment un truc qui pourrait être... Attends, il fait combien de chevaux le... Le casque que je viens de revendre. 95, 60, 179. Ok. Donc il me faut un plus gros que ça. Il y a aussi un 2. Salut tout le monde, allez sur le live de Andurogs. Il propose de très beaux contenus et fait du showcase. Alors frérot, par contre, je t'autorise pas à faire ta pub. Voilà. Ça se fait vraiment pas de venir sur live des gens et faire leur pub. Ça me dégoûte. Donc ça serait celui-là. Et je crois que c'est celui que j'ai déjà à la ferme, celui-là. Ou c'est celui-là que j'ai à la ferme, c'est déjà celui-là. On va aller dans un tracteur moyen, puis... Un Daichi 170, mais ça fait déjà gros ça, je pense. Non, ça va. Après, sinon, on va chez John Deere. Hey gros, on pense ça carrément. Non, c'est trop gros. Après, John Deere, je kiffe, mais vraiment, il n'y a pas assez de vieux matos. On va... Attends, celui-là fait combien? 170, 190. Il y aura un STP. Vas-y frérot. Tu t'es pas abonné hein, frérot. Je suis à beau avec la cloche. Bah je sais pas, moi c'est même pas que t'es abonné. Hein. Je vais m'abonner parce que tu t'approches des 500, donc courage à toi, mais si tu pouvais vraiment t'abonner, ce serait sympa, frérot. Frérot, je vois pas que tu t'es abonné, en fait. Donc je pense que tu te fous de ma gueule, clairement. Moi je me souviens de m'abonner et tout, mais toi tu t'abonnes pas. Alors bon, c'est pas top ce que tu fais. Ah regarde frérot, je suis toujours à 273.
Alors, ouais, frère, c'est bon. Non, désolé, ça fait chier, bon. Par contre, t'insulte pas. Je viens de ma beau VG. Ah, bah, j'ai ma beau. Oh, Chobo, ah, toi XX, gang XX. Go les 280 ce soir les gars. Pourquoi j'ai 274? Ah les gars, y a un de vous deux, vous mentez, hein, parce qu'il y en a un des deux, il s'est pas abonné, c'est pas possible. Tu as 274, j'ai relancé YouTube deux fois. Ouais. Donc les gars, il y en a forcément de vous deux qui ment. Moi, je te jure. Je joue avec toi, SVP, mais je... non, je joue tout le temps en perso, sur farming avec des... ou avec des potes, sinon mais pas avec des abonnés. Bah les gars, je suis toujours à 274, hein, donc je sais pas. Tu as un Insta, je t'envoie un screen. Mon Insta c'est Attends, je vais te dire ça. C'est Matteo, MATHEO, avec un trait en bas, un R et un 18. Normalement tu mets Matrox et je pense que tu me trouves aussi. Super gamer, Yoran plus un super beau. Vas-y, je vais te rentrer. C'est bon. Nathan, ouais, c'est bien moi, c'est un ça. Pire, attends, je vais faire un truc, c'est que je vais remettre les commentaires. Parce que ça m'énerve de pas les voir sur mon écran. Voilà, quand ça joue. Ouais, bah je te crois, frère. Ouais, bah maintenant, de toute façon, tu m'as envoyé le stream, je te crois, mais. En fait, mon objectif c'est d'essayer d'avoir les 500 abonnés avant la fin des vacances. Donc, si c'est possible de partager la chaîne et tout, les gars. Parce que. En vrai, les 500, ça serait bien que j'arrive à les avoir. C'est l'autre. Bah, je pense. Je pense que c'est Jilan de Lyon, je sais pas quoi. Donc les gars, n'hésitez vraiment pas à partager la chaîne, hein, vraiment, parce que là... Celui-là fait combien? 190? Chevalmé.
Celui-là, il fait combien? 170, 190. Donc là, j'hésite vraiment à te lever le mais. Oh, celui-là, il fait combien? 190 chez Gender. 175. Un petit Gender, j'avais pas non. Celui-là, il fait combien? 170. Ah, donc celui-là, il est un peu moins puissant en plus. Ah, on va prendre le Valmé. Chargeuse avant. Ouais, on va la mettre parce que peut-être qu'on aura besoin pour faire des cailloux plus tard. Alors, autant la mettre. Ah, il y a deux marques. En vrai, c'est laquelle qui est emmenée sur le tracteur. C'est solo. Ouais, bon. Après, je sais même pas si je vais vraiment l'utiliser, quoi. Donc, bon. On va la mettre, mais bon. Je pense qu'on va le mettre rouge. Oh, le beige il passe bien. Est-ce que je ne mettrais pas orange avec la benne? Ça passerait bien avec la benne. Ou un petit blanc. Ouais, je sais pas. Orange, j'aime bien. Pas en rouge, il a de la gueule. C'est vrai qu'en rouge. Après, en vert, il est pas terrible. Après, le beige, c'est vrai qu'il est vraiment beau. Vas-y, on va prendre orange. Attends, couleur des jantes. On met le blanc. Puis la plaque, on s'en fout. Voilà. Nouvel achat. Est-ce que je prendrais pas la fourche tout de suite avec? Comme ça, au moins, ça, je l'aurai. Je vais prendre la fourche. Ah ouais, donc je peux pas prendre une comme ça, je crois. Voilà. Yo, j'aime la queue. J'aime la queue. Putain, dis. Non, non, y a pas moyen, frérot. C'est un serveur perso. Par contre, comme ça d'autres rôles. J'ai plus rien d'aussi voir. Ah mais c'est pas le bon. C'est pas celui-là que je veux. Mais j'ai mis où l'autre?
Ah, attends, en gros, je l'ai mis où? Salut, tu peux en rendre les épées? Ouais, j'ai 30 livres. J'ai 30 ferro. Alors. Voilà. Tu fais du Lego Star Wars? On voit pas ton nombre d'abonnés, c'est con ça. Je sais, tu fais beaucoup de vues, donc je pense que t'as quand même pas mal d'abonnés. De rien faire. Il manque 4 abonnés pour les 280. Donc go essayer de les avoir. Par contre, où est-ce que j'ai mis le sumoir? Je l'aurais mis là-dedans, non? C'est un truc en grès. Ah, what the fuck. J'ai mon semoir, oui, il s'est volatilisé. Où est mon semoir? Pourquoi ça ne veut pas mettre où est-ce qu'il est? Parce que ça ne veut même pas que je l'ai vendu, donc il est forcément dans la ferme. Déjà, pourquoi j'aurais vendu mon semoir? Ah bah il est là. J'ai un boss qui fait là. Oh putain de merde. Bah on va aller acheter une masse. Oh putain. Mais non! Mais non! Ah non, c'est bon. Alors, il y a quoi comme masse pas cher? Parce que là, on va bientôt être à court d'argent si ça continue. Pine qui est pas trop grosse quand même, parce que faut que. Ouais, non, ça c'est non. Après, celle-là elle a l'air pas mal, mais.
je vais aller décrocher la fourche parce que sinon ça va emmerder. On n'a rien vu. Je vais décrocher la fourche là. En espérant que ça décroche la fourche et pas la masse. Ouais, c'était sûr. La masse, on va la mettre là. Pourquoi ça me met pas que je peux la décrocher? Bon, normalement si je fais triangle, c'est une outil de... Hein? Attends, si je l'accroche un peu de... Normalement ça va pouvoir me le décrocher. Merde la masse. Ah c'est bon. Voilà. Yo aux gens sur live. Salut à tout le monde. Ça fait un bel ensemble. On va semer de l'herbe. On va aller dormir. 8h, c'est en haut. Parce que là il va vraiment falloir faire quelque chose pour gagner de l'argent parce que là je suis trop en perte d'argent. Vu que je viens de racheter un tracteur et tout, j'ai plus de 200 000. Il va vraiment falloir commencer les animaux pour pouvoir faire de l'argent. C'est vrai, c'est devenu chaud. Ah, il a pas encore fini là. Qu'est-ce qu'il me fait là le blaireau? Putain, il s'est... Il se fout de ma gueule. C'est pareil, les bots quand ils savent pas déchaumer, les gros connards.
Disneyland. Putain, par contre, il y a énormément de cailloux dans ce champ là. Putain, si j'ai plus assez d'argent pour pouvoir acheter une machine à cailloux. En plus, je voulais le faire dans une vidéo, donc je vais pas le faire là. Chômer. On va pouvoir commencer à semer. Chercher de l'engrais. On va juste mettre le mec à semer. C'est quoi ça? C'est de la craie qu'il y a dans le champ? Ah ouais. Putain, de la chaux, ouais, si y en a, ils diront. Ouais, de la craie. C'est de la chaux. Putain, les bots sont vraiment trop cons sur farming en fait. Il a arrêté pourquoi? Ah, c'est que j'ai pas d'engrais solide. Alors, c'est dans des big bags, ça, non? Ah, je pense que c'est ça. Hein. Je vais en acheter deux. Je pense qu'avec deux j'en aurai assez. Ah, en fait non. Il va en falloir trois.
C'est bon, on sera à 93%, on en aura assez. C'est stylé quand même. Bon allez. Putain, palette de merde. Ah ouais, les vieux New Holland, ils ont vraiment de la gueule, c'est un truc de malade. Yo tout le monde sur le live. Je peux avoir une pub STP. Lucas. Arrête tes conneries. On va laver un contracteur parce qu'il est dégueulasse. Mais sinon ça va Lucas? Nico, frérot, t'as même pas de chaîne. Ça va, toi, bah ça va. L'autre New Holland, il est où? Il est là, non mais il a fini. Ah, pourquoi c'est comment qu'elle a contrôlé? Ah, bah, c'est parce qu'il y avait qu'un de bot. Bon, on est qu'un là, Lucas. Pourquoi ça baisse pas ma machine? Il va vraiment falloir que je rachète une manette parce que celle-là elle est morte. Il me reste que 176 000 balles. Ça va être chaud. Après non, je sais ce que je vais faire, je vais se mettre
2-3 champs de maïs. On va laisser mes deux champs de maïs, puis on va faire un peu d'ensilage. Voilà. On va l'acheter des semences. Et on va se mettre deux champs de maïs. Vu que j'ai 4 champs, ouais, je crois 1, 2, 3, 4. Il y en aura 2 en maïs et puis 2 en herbe. Ça va commencer les animaux, ça sera nickel. Donc je pense que je fais des vaches, hein, les gars, comme ça. Je pense là, après, je vais aller vendre mes deux grosses remorques de blé. Parce que sinon, là, j'aurais plus de thunes à faire, ça commence à bien descendre. Surtout si je rachète des semences là pour le semoir. Ça va être la dèche. Eh, l'entrée elle est vraiment trop mal faite. Elle est trop courte. L'autre coup, j'ai pensé à check la moissonneuse. La coupe a touché pratiquement les deux bords. Enfin, bon. Ah oui. Tu mets plus d'engrais que de semences. On va acheter une grosse palette d'engrais comme ça. Engrais solide EPS Pro. Ça change quoi? Ah, qu'il y en a plus. On va prendre ça. Ah, c'est 10 000 balles pour des semences, ça fait cher. Pour de l'engrais. Hein? Non, dis-moi que je me suis trompé. J'ai acheté quoi? Engrais liquide. Mais je vais me tuer des fois. Là, j'ai envie de me tuer en fait, parce que je suis vraiment un gros abruti. Putain, je suis un abruti, ça m'énerve. Ouais, bah, on va prendre l'engrais solide. Qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, il est assez grand le semoir. Là, tu vas voir, j'en ai acheté trop. Ah non, ça va. Il en restera un peu, mais ça va. J'ai juste acheté une masse parce que sinon il va pas suivre le Newland. Parce que là l'argent descend trop, donc je vais aller ranger le semoir et on va aller vendre le blé. On va prendre en bleu, hein. Ça passera bien avec le Newland. Putain, le machin que j'ai acheté et tout, ça fait peut-être un peu gros. Bon, on va aller ranger le semoir, on va hâter la benne, puis on va aller vendre le blé. C'était sûr. Par contre, ça m'étonnerait que je puisse atteler la benne, donc on va bouger ça, parce que sinon j'aurais pas la place pour atteler la benne. Là, on va le mettre là. Voilà.
On va aller vendre le blé qu'on veut. Attends, ça par contre je vais le désactiver, ça m'énerve, ça me saoule. Où est-ce qu'on fait déjà pour désactiver ce truc là? Voilà. Alors, moi j'ai 31 tonnes de blé, donc ça va. Ouais, j'ai une remorque ennemie. Alors, où est-ce que ça se vend en ce moment? Gagner 1000 euros la tonne, frère. Je veux pas être riche avec ça. Putain. Je pense que c'est pas la bonne saison. Ouais, je suis au mois de mai, le blé appartient au mois de mai. Sinon, je pense que j'ai arrêté en hiver. Je l'avais vendu beaucoup plus cher. Ah ouais, ça fait quand même une belle benne, on est bien chargé. Comparé à Farming 19, la benne elle est vraiment bien chargée, là. On voit vraiment que c'est... Ouais, j'ai 17 tonnes à 1000 balles. Ouais, je vais me faire 10 000, 17 000 balles quoi. Je vais pas aller loin avec ça. Putain, ça me fait chier de pas me faire d'argent. C'est beau, est-ce qu'elle est entrée, frère? Ah oui, le grillage, on le voyait même pas. Il était invisible. Alors, on va faire une marche arrière. Voilà. Bon, on va se voir. What the fuck, c'est quoi cette merde? Ah ouais. Frère, j'ai un ensemble un peu plus grand, ça passait même pas. C'est mal fait ça. Ah voilà, on va rien se faire gros, ça m'énerve. Bah oui gros. Ouais voilà, 17 000 frère, ça, on se fait rien, c'est que dalle. Est-ce que c'est pas la bonne saison? Et puis, parce que vu qu'on est au mois de mai, le blé il doit rien voir. Bah les gars, sur le serveur, c'est normal que... Bah le temps il change jamais, c'est parce que j'ai désactivé le mode saisonnier. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de neige, j'ai rien.
Et là, je peux le vendre à combien? Ouais, 1000 balles la tonne. Là, ce qu'il vaut, c'est de l'avoine. L'avoine, elle vaut bien, là. Putain. Oh, c'est de la merde! Oh, je suis déçu! Ah, bah sur le serveur, je pourrais jamais faire de raisin ou d'olive parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour en vendre. Ah, je suis dégoûté, là, par contre. Le tournesol, on va vendre. C'est quoi ça, soja? Ah, les pommes de terre, ils en font pas. Ah, si, gagne. Ah, donc il y a que les olives et les raisins qu'on pourra pas faire. Sinon, le reste, je peux faire. C'est quoi ça? Betterave sucrière coupée. Du coton. Des semences, bah, je sais pas. Des œufs. La laine. Attends. Ah, en fait, je crois que c'est une ferme où tu peux pas faire d'animaux. Enfin, c'est un serveur, tu peux pas faire d'animaux. Ça regarde. Tu peux pas vendre les œufs, tu peux pas vendre la laine, tu peux pas vendre le lait. Et tu peux pas faire de bois non plus. Enfin, tu peux pas faire de copeaux. Oh, c'est nul en fait. Ah ouais, bah ça doit être un serveur qui a été créé par un joueur. Mais le problème, bah, c'est que c'est de la merde. On peut rien vendre. Enfin, on peut pas faire d'animaux, c'est que c'est nul. Ah, je suis dégoûté, vraiment, parce que c'est vraiment un serveur qui me donne envie de jouer et on peut pas faire d'animaux. Oh, je trouve que c'est de la merde en fait parce que c'est un putain de serveur mais il est même pas. Bah il est pas mis en norme avec les nouveautés de Farming 22. Oh, ça casse les couilles. Bah je pense que je trouverai un autre serveur là. Je pense que je publierai le dernier épisode et puis j'arrêterai la ferme de ce merci et puis on relancera un autre serveur et puis voilà. C'est bon. Jouer à farming sans faire d'animaux, c'est pas trop mon bail. Bah surtout qu'en plus on peut même pas faire d'olive et on peut pas faire de raisin quoi. Donc les nouveautés on peut même pas les essayer. Putain, ça casse les couilles. Putain, je suis dégoûté, frère. Ah, c'est un mini. Hein. On peut même pas essayer de nouveauté.
Bon bah attends, je vais sauvegarder le serveur alors. Voilà. Puis on va essayer d'en trouver un autre. Hein. Putain, je suis dégoûté. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Ça me casse les couilles parce que je le kiffais ce serveur. Et c'est un serveur, je vais même plus pouvoir tryhard comme je faisais quoi, parce que ça m'intéresse plus trop d'y jouer maintenant. Moi je jouais surtout, c'est quand même pour essayer une nouveauté quoi, c'est un peu le but. Mais bon, si on peut pas faire de raisin et si on peut pas faire d'olive, autant que je recrée un autre serveur quoi. On va regarder sur les serveurs déjà prévus. Putain, ça m'énerve! Je suis trop deg! Je suis trop deg, frère! Je kiffais le serveur à la fin du SMRC et. Ouais, ça m'énerve. Ça c'est quoi ça? Je vais pas le supprimer, c'est jamais. Emplacement vide. Faut commencer avec des fonds. Celui-là, il faudrait que j'essaye. Et l'engrate. La campagne. Après, sinon, je repars sur la campagne en juvine. Et on peut en faire. Putain, mais ça me. J'ai le seum. On va lancer ce serveur-là. On va voir ce qu'il donne. S'il m'intéresse pas, on va essayer de retrouver un autre. Puis. Pire, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire des serveurs. Avec des petites maps. Ok, c'est bon, le serveur il est lancé. On va voir ce qu'il donne. Oh, il faut recréer son skin, ça c'est. Ouais, voilà, mon skin déjà tout fait. On va faire ça. Ah, c'est une ferme américaine. Wow, comment ça bug? Wow, toi le serveur, comment il bug? On touche plus rien. On attend qu'il charge. Ça écoute ça. Que des petits champs. Wow, la taille du serveur par contre. Ouais, je suis pas trop fan hein. Même voire pas du tout fan. Attends, est-ce que par contre
Est-ce qu'on peut faire, par exemple, les nouvelles céréales? Enfin, les nouveaux trucs. Du sorgho. On peut en faire. Ouais, on peut en faire. Par contre, il bug trop le serveur, ça a l'air d'être vraiment de la merde. Attends, tu vas me dire du coton, ça vaut plus que ça maintenant, alors qu'avant ça valait plus. Ouah, le fromage, comment ça rapporte cher? Les gâteaux! Des vêtements. 21 000 euros. Ah oui. D'accord. On fait comment tout ça? En vrai, j'ai envie d'essayer le serveur. C'est pas que j'ai pas envie. Mais c'est que c'est américain. Et j'aime pas les serveurs américains. J'aime pas du tout. Alors bon. Jouer en étant. Enfin, en accrochant pas trop. Bref, bof. Je vais le garder le serveur, puis on va relancer un autre. Sauvegarder. J'aime pas les fermes américaines. Quitter. Ok. On va relancer encore un. Voilà. Donc celui-là, c'est quoi de faire? Là, ça se voyait déjà que c'était grand. Ça, on va essayer. Ça m'a l'air d'être dans les montagnes. C'est pas vraiment stylé. Ouais, s'il te plaît, dis-moi que c'est. Oh, elle est magnifique! Oh, je kiffe. Mec, on spawn déjà avec les animaux? Ça, je dis ouais, frère. À part. C'est ce que j'avais peur. C'est du tracteur électrique. À part ça. Mais encore, je sais pas. Ça, c'est pas du tracteur électrique. Ouais. Oh, il est beau le serveur. Non, par contre, il est vraiment beau le serveur. J'aime bien. Mec, on a déjà tout. On a déjà le tracteur tondeuse et tout. Ah ouais. Ok. C'est vraiment réduit, par contre, ce qu'on a. Et par contre, ah ouais. En fait, tout est très réduit sur le serveur.
Ouais, tout est extrêmement réduit. Hein. Gros, les champs, c'est des champs de 10 km, mais il n'y en a que 5. Je trouve c'est pas incroyable. Mais elle est belle, donc c'est con. Plus, on a déjà des vaches. Et en fait, les champs ils sont trop grands et j'aime pas. Mais moi, c'est la ferme du Sommercé que je kiffe, frère. Ça m'énerve, ils ont pas voulu mettre les. Bah, ils ont pas fini le serveur, quoi. Je vais essayer de trouver un petit serveur. Comme je veux. Je vais l'installer et puis on va voir. Et c'est un cas. Ouais, on va aller dans les modes. Après, sinon je joue avec des potes. Je pense qu'il risque de me trouver des maps quoi. Celle-là m'a l'air d'être pas mal avec le petit tracteur comme ça. On va voir la gueule de la map. Ah oui. Enfin après tu vois en fait c'est trop dans l'excès, enfin, c'est trop petit. Je sais pas. Mais... Ça. Ah ouais, c'est des blocs les champs, c'est de la merde. Là, ça va, j'aime bien. Mais t'as aucun point de vente. Ouais, incroyable. Il y a des champs de partout. Oh mais c'est pas trop mon kiff. Non, ça j'aime pas. Non, j'aime pas. Ah oui, d'accord, c'est... Y'a plus des bons modes, hein. Ça c'est des maps, ça pue la merde, frère, t'as un champ dans la map. Gagne comment c'est petit, ça sert à rien. Oh mais mec, pourquoi il n'y a plus des bons serveurs comme à l'époque? Ah oui, c'est que de la forêt.
Home Extreme, elle est vraiment bien. On va l'installer seul. Putain, j'arrive pas à trouver la ferme que je joue. Il y a plus de bonne ferme.
We'll be right back.
Ça, j'aime bien. En vrai, ça va, il a l'air vraiment pas mal. C'est quoi ça? Ah, c'est des silos. Passe toi dessus. Aval se répète vraiment bien. La gueule, c'est quoi ça? Oh ouais, le serveur il est incroyable. Attends, juste voir c'est quoi les animaux que j'ai acheté. Ah, c'est des moutons. Ok. Une table à chevaux. En fait, je crois qu'on a vraiment les étapes pour tous les animaux, je crois. Donc ça, c'est nice. Moi, je dis oui. Ça, c'est une étable à quoi? Par contre, je crois qu'on n'a pas d'étable à vache. Donc ça, je trouve ça... Si on n'a pas d'étable à vache, je trouve que c'est de la merde. Si, il est là. Ah, tu peux pas faire des vaches en engraissement, je crois. Eh ben, un serveur plutôt sympa. Je pense y jouer. Sauvegarder.
que je suis né au Canada et je vis au Canada. Donc techniquement, je suis dans mon pays. Je sais pas qu'est-ce que tu veux. Et je sais pas si tu sais c'est quoi de la merde. Pour moi, c'est une crotte. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi, je peux t'en envoyer une par la poste. Donne-moi ton adresse, je vais t'en envoyer une. C'est nul ta vidéo. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu n'aimes pas ma vidéo, c'est correct. C'est ton opinion. Chacun a son opinion. Je ne peux pas t'obliger à aimer ma vidéo. Mais la prochaine fois, est-ce que tu pourrais me laisser un feedback me disant qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce serait apprécié. T'es con? Mais j'ai jamais dit que je n'étais pas con. J'ai jamais proclamé que j'étais Einstein. Couille-moi que t'es une merde et un bébé. Ta mère est une pute qui me suce nuit et jour, bitch. On dirait qu'il ne fait pas la différence entre et. Mais bon, en tout cas, je ne sais pas d'où il... En dance, nous avons Hey Ball. Il est plutôt balèze d'ailleurs avec son petit œil qui décolle en gameplay. C'est plutôt intéressant. Nous avons la sorcière X hein, qui est vraiment l'une des plus puissantes également. Hein, et en plus, elle est vraiment très stylée. Et faites attention, hein, elle est toujours aussi fragile avec le peu d'espace qu'il y a vers sa tête. Donc vous la verrez souvent sans sa tête. En dance, nous avons Hey Ball. Il est plutôt balèze d'ailleurs. Si avec ce joli filament rose, on s'imprimait une moule pour château de sable infini. Ce truc, c'est super stylé. On va imprimer des moules, y coller les uns aux autres et on peut faire un château de sable infini. J'ai donc chargé tous les fichiers pour la V400. Comme je pars en bord de mer dans les Landes, il va une fois imprimé. Dommage, vous pensez. Bon bah les gars, on va se laisser là, hein, c'est un chill life, il va durer quand même 2h16, on va rendre déjà 2h20. En vrai, début du live j'étais trop content parce que je me suis dit allez, je vais sur la ferme sur Mercé, une ferme que je kiffe et tout, c'est mon serveur préféré des FS22. Et ben, heureusement que j'ai arrêté de jouer dessus parce que j'ai 15 heures de jeu dessus quand même. Et peut-être un peu plus, je sais plus. Et je me rends compte qu'en fait, bah, en fait, le créateur de la map, il a même pas mis les nouveautés, quoi. Donc bon, ça sert à rien de jouer à un serveur s'il n'y a pas les nouveautés. Donc là, je vais me renseigner à des potes s'ils ont pas des serveurs vraiment incroyables qui ressemblent un peu au serveur la ferme du Sommercé. Et on reprendrait les vidéos sur ce serveur-là. La ferme du Sommercé, c'est fini. Il y aura plus de vidéos dessus à part l'épisode 4 et l'épisode 5 qui sont déjà enregistrés. Donc eux, ils vont en jour. Sinon, après, c'est fini. Je ne dirai jouerai plus pour faire des vidéos dessus. Donc les gars, on va se laisser là. Hein, j'espère que le live vous aura plu. Moi je me suis quand même bien amusé au début, mais bon maintenant ça me fait un peu chier parce que bon je fais plus jouer sur mon serveur que j'aime bien. Mais bon on va essayer de trouver un autre serveur et on va se débrouiller pour continuer à faire des vidéos sur Farming. Donc les gars, n'hésitez pas, hein, la rediffusion sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à partager la rediffusion et partager la chaîne pour essayer d'avoir les 500 abonnés avant la fin des vacances. C'était Matrox et je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo.